Bon, alors par quoi on commence? Sans raconter ta longue vie dissolue. Alors, Jeannine, pourquoi la cantine de Jeannine? Comme je l'ai déjà dit, et il y a beaucoup qui le savent à Marseille, Tout le monde le sait, je crois, à Marseille. il y en a beaucoup qui Tu le as vu savent les parce commentaires que, sur la première vidéo? tout simplement, Tu peux parce que C'est j'étais beau, dans non? des... Ouais, c'est beau, ça fait C'est plaisir. beau, on n'en a pas parlé de ça, je sais que ça t'a beaucoup touché, hein. T'es au Mais bien camion. sûr, ben le clou du spectacle, c'est les gens. Hein. C'est les gens. Mais la chance que j'ai eue... C'est que c'est une belle phrase, hein. Le clou du spectacle, c'est les gens. C'est magnifique comme phrase, je te jure, ça me Ah, touche. mais je le dis Parce comme que moi, ça. quand je fais des lives, je dis souvent, je suis là pour vous. C'est un peu pareil en Ah, restauration, je suis là pour les gens. moi, ma chance, c'est Marseille, bien sûr, qui est une ville complètement différente des autres. Et d'avoir été aussi, j'ai eu la chance d'avoir été dans des endroits populaires. La Joliette, Belombre, le dimanche à l'époque, Boulevard Chave et Castellane. Angle Courbouffé, Boulevard Bail. C'est une chance Là, inouïe. c'est là où te connaissent, je crois, où les gens te connaissent le plus. La Joliette aussi, La Joliette aussi, ouais. je l'ai fait quelques années. Quelques années. 90, 97, Ouais. Angle République Évêché. La Joliette n'était pas la même. Oui. Rien à voir. Oui, ça n'avait pas été C'était refait. populaire, Ouais. populaire à mort. Les commentaires de la première vidéo, là, il y a des gens qui disent, ouais, il était à la Joliette, je prenais Voilà, les c'est ça. pizzas le midi. Donc, c'est une chance inouïe que j'ai eue d'être dans des endroits populaires. J'aurais fait la pizza à l'Estac, à la Pointe Rouge ou dans la banlieue, ça n'aurait pas été pareil. Il y a des pizzaïoles qui sont à la Valentine, qui sont ici, qui sont là, ou qui sont dans des villages, ils ne sont pas connus Eh oui. parce qu'ils ne sont pas dans des endroits de passage comme ça. T'imagines le boulevard Bail là? Regarde, il passe un semi-remorque là. Ouais, c'est clair. Tu nous racontes un peu qui c'est Karim? Ta vie, ton œuvre. Mon œuvre, c'est gentil ça. Et moi, ben, Parce que les gens sur la première vidéo, ils, en demandent, ils connaissent un peu des portions de ta vie. Il y en a qui disent qu'il est passionné de tennis, l'autre qu'il est, ouais, c'est un boxeur, d'autres c'est un danseur de hip-hop. Moi, j'aimerais que tu. Passion. Moi, boxe, moi je, le dis, hein, je l'ai dit en live, j'ai dit tu es un exemple pour les générations futures parce que tu es parti de rien. Ouais, de rien du tout. Mais, enfin, si tu as envie d'en parler, oui, ça va bien, bien parle sûr, pas. Je peux en parler, bien sûr. Le truc, c'est que ici, des fois, il vient, tu vois, des fois, il vient des foyers me réserver la salle pour manger les pizzas, parce qu'il y a beaucoup de foyers à Castellane. Ouais. Et aujourd'hui, à 52 ans, je sais que c'est une chance de ne pas avoir le choix. Ouais. Et tu l'as construit comme tu veux. Et quand je rencontre des jeunes de foyers, qui est dit difficile, parce que pour Ouais. moi, ce n'est pas difficile. C'est les gens qui veulent croire que c'est difficile. Oui. Je leur dis, putain, les jeunes, vous avez de la chance. Et là, ils ne comprennent pas. Ouais. Domino, tu vois. Et, oui. Et ils me regardent, ils disent, vous avez de la chance, vous êtes au foyer. Je dis, waouh. Vous avez vos parents? Ils me disent, non, non, divorce. Comme c'est le trois quarts du temps, tu vois. Je dis, ben, vous n'avez pas la chance que vous avez. Et puis, je les laisse cogiter. Mais en fait, ce que j'essaie de leur dire, c'est que vous ne pouvez pas être plus bas. Ouais. Vous n'avez pas l'amour, vous n'avez pas l'affection qu'un jeune devrait avoir à cet âge-là. Et il faut se battre. C'est où tu te bats, où tu vas de l'autre côté. Tu vas de l'autre côté et tout le monde sait ce qui t'attend. Tu veux travailler, tu n'as que ça. Trois quarts du temps, tu as un cancre. Enfin, trois quarts du temps, parce qu'il y a des jeunes qui sont dans des foyers qui sont très intelligents, très instruits et qui aiment l'école. Moi, je parle de jeunes qui ont du mal à l'école. Eh bien, au moment, hein, moi, j'étais un cancre. Hein. Je me suis accroché au travail et j'avais pas le choix. Toi, tu as commencé avec Jeannine, dans le camion à pizza ou avant? J'ai commencé dans les camions à pizza, ouais. Et toujours, je pratique. Comme apprenti, en fait. Oh, même pas même apprenti, pas. Non. Comme, j'étais apprenti maçon à la Joliette. Ouais. Je la rencontre en faisant les courses et elle me demande de faire une gâche chez elle. Donc, je repeins sa loggia un dimanche. Et de là, elle me dit, qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine? Et j'ai repeint du coup son appartement. Avec son mari, j'ai repeint tout l'appartement. Et ensuite, eh bien, j'ai fini dans le bois. Le bois, eh bien, ça te dit, je reçois le bois. Mmh. Et après, j'ai nettoyé le camion pendant des années. J'ai nettoyé le nettoyage du camion et tout. Et un beau matin, elle m'a dit, mon fils, il a besoin d'un livreur de pizza. Il n'a pas de livreur et j'ai été... C'est la définition de l'apprentissage ouais, dans sa plus noble ouais, expression. Je dois être un des derniers mousses. Tu sais ouais, ce que c'est qu'un ouais, mousse ouais, ouais, ouais. Les mousses. Ouais, on les prenait... On prend le minot et on les du fait quartier, tout. Voilà. Un petit un peu dégourdi qui ne te lâche pas les baskets. Tu lui envoies chercher le pain. Tu lui laisses la monnaie. Il est content. Il revient le lendemain. Et ça part comme ça. Voilà. Et tailler l'école pour faire ça après.
Ben moi, je dois être un des derniers mousses. Vu que j'ai 50 ans, ouais, c'est ça. On est les derniers. Et dans tous les quartiers, vu qu'on parle de ça, j'invite les patrons, les responsables d'entreprise, de toujours trouver, il y a toujours dans les quartiers des jeunes qui en veulent, bien sûr. Comme le jeune là, que tu as... J'ai un petit jeune, ouais. En fait, je reproduis ce qu'on a fait sur moi. Ouais. J'en ai plusieurs de jeunes. J'ai formé plein de jeunes à me faire des boîtes, ouais. Aller chercher l'essence pour le groupe électrogène. Je me rappelle, tu passes beaucoup puis de temps après, avec eux. Après, tu le laisses, je me rappelle, tu le laissais un peu monter dans le camion. Bien sûr, après, il monte dans le camion, après, tu le laisses nettoyer parce que tu es crevé. L'été, il fait chaud, tu es fatigué, après, tu lui donnes confiance. Et là, j'ai un petit jeune, j'ai formé deux jeunes qui font toujours la pizza chez des patrons. C'est une fierté, ça aussi. Oui. Un peu comme dans la danse, où j'ai des jeunes que tout le monde sait que j'ai donné des cours de danse au panier pendant des années. J'ai des jeunes qui sont professionnels aujourd'hui. C'est ta plus grande fierté. C'est ta plus grande fierté. Mon frère qui organise des super événements, qui est danseur professionnel, ça, c'est l'aboutissement de tout. Tu fais de la boxe aussi. La boxe, j'en ai fait jeune. J'ai le nez du boxeur. J'ai la tête fracassée. J'ai fait de la boxe en pied-point, en boxe française, que j'adore. Et en fait, à la boxe, j'ai eu la chance de connaître des clubs mythiques comme à Michelis, Monsieur Kraman, qui n'existe plus. J'ai découvert la boxe anglaise. Et puis la boxe, qui n'a pas rêvé d'être boxeur? Bien sûr. Ça fait rêver. Ça fait rêver avec tous les films. Moi, j'étais fan de Bruce Lee, tu vois. Moi, Bruce Lee. Je regardais Rocky, le premier, Rocky, là, c'est bon. Et la boxe, on faisait du kung-fu, parce que moi, je viens de la génération des films de kung-fu. Donc, tu voulais être champion, tu voulais qu'on te voie, tu vois, tout simplement. Et tu choisis ce qui te convient c'est le mieux. C'est un bon moteur, ceci étant. Oui, si tu es tout le monde, mais boxeur, c'est le rêve de tout le monde. Et tu montais au niveau en boxe? Oui, j'étais en élite boxe française. D'accord. J'aurais pu aller plus loin. J'avais la chance d'avoir mon entraîneur qui connaissait bien Roméas. J'aurais pu faire de beaux combats. Il m'a donné ma chance. Mais j'avais toujours cet instinct de vouloir aller travailler. Dans la boxe, j'aurais pu aller un peu plus loin, pouvoir prendre un titre national pro ou même voire européen à cette époque en pied-point. Mais dans ma tête, il fallait que j'aille travailler. Oui, là. J'avais besoin, j'avais peur. De manquer j'avais un peur. Moment. J'avais peur de manquer, ouais, peut-être. Et je sais que tu as commenté les matchs de boxe aussi, pour Canal+. Ouais, parce que, tu me racontes un peu? Alors, les matchs de boxe, c'est venu, donc je commentais les battles de breakdance. Comme je commentais les battles de breakdance, les mecs ils m'ont pris pour les galas de boxe, parce qu'ils d'accord. Avaient besoin de trouver. Mais j'ai jamais. Tu l'as fait quand même. Je l'ai fait, je compte bien c'est le faire trop encore. Modeste, hein, je compte le faire encore. Ouais, j'ai travaillé pour Canal+. Je suis très bien ami avec un des meilleurs speakers de France qui est JP, qui travaille à Speedway. Et de temps en temps, il me donne des plans parce qu'il ne peut pas y aller. Il a plusieurs plans. J'ai la chance de connaître cette personne qui est Tu fais Jean-Michel Larquet, Thierry Roland. Ouais. Mais c'est pas. Je rends souvent service. Ouais. Parce que comme tu sais, la restauration, c'est énormément de travail. Avant, j'avais que le camion. Ouais. Maintenant que j'ai le restaurant, va en parler, c'est, ça. Ouais, c'est beaucoup de travail. Donc, bien sûr, c'est un plaisir. À Marseille, c'est une ville de boxe. Ouais. Pied-point, anglaise, maintenant l'UFC. S'il faut faire speaker, ouais, je me régale. Je me régale. C'est cool. Hein. Ouais, tu nous racontes un peu Jeannine, qui c'est? Parce que je crois que les gens, pas beaucoup de gens qui savent un peu l'histoire. Jeannine, c'est une dame comme il y avait beaucoup... À cette époque, des commerçants hors pair, des commerçants, des gens qui apprenaient sur le tas. Donc on sort des années 80, ils ont 55, 65 ces gens-là, et ils viennent de l'école, il n'y avait pas d'école de commerce, je veux dire, tu apprenais ça avec ton père. Ouais. Et elle, c'était une super commerçante, j'ai eu la chance de rencontrer à la Joliette, et qui m'a donné ma chance, et moi je me suis accroché. Je me suis accroché parce que tu sens comme les gens que tu croises deux, trois fois dans ta vie. Oui, sans qu'il y ait quelque chose. Sans qu'il y ait quelque chose, tu accroches ou tu n'accroches pas. Après, tu... C'est un peu le nid de ta maman. Oui, bien sûr, il y a un peu de tout dedans. Je peux montrer? Bien sûr. D'où le nom et la photo qu'il prend. Ouais. C'est beau, hein? Voilà. Je me mets les larmes aux yeux, dis. Elle surveille. On va vite le pleurer quand même. Elle surveille. Toujours là. Et dans des moments difficiles et tout, je la sens. Et comment tu as fait la bascule du camion au restaurant? Alors, c'est dû au hasard. Tu le sais, tu viens au camion. Tu te rappelles combien de fois je te disais que c'est
tu vas l'ouvrir le restaurant, je vais me poser, moi, manger je la pas. Pizza. Je voulais pas, je voulais avec pas, j'ai jamais voulu de restaurant de ma vie, parce que je viens vraiment, j'ai pas d'école de commerce, je sais. Mis à part la danse, j'avais pas de rapport avec les êtres humains, tu vois. Donc gérer de tu l'humain. Tu présentes quoi, tout le monde. Oui, mais être patron oui, et gérer des humains, d'une, maintenant je sais que c'est compliqué, et de deux, là je savais pas encore moins. Ouais. Mais comme tu vois, tu connais le camion, tout le monde le connaît. Même quand je ne veux pas le voir, le restaurant, je le vois. Eh oui. Donc, il y a eu plusieurs patrons avec ça qui tourné, ça n'a pas marché. Ouais. Et à un moment donné, eh ben, je me suis senti, mais c'est rentré dans ma tête. Mais... Le restaurant qui est, pour la vidéo, pour que les gens sachent, sur le boulevard Baille, l'adresse exacte 21 boulevard Baille. 21 boulevard Baille, la cantine de Jeanne, comme ça. Et en fait, c'est... Tu m'aurais dit 6 mois avant le restaurant, tu vas l'acheter, ouais. Mais t'aurais traité de jobard, tu vois. Et aujourd'hui, eh ben voilà, c'est pour ça qu'on ne peut rien prévoir en fait. Et alors, c'est dur ou pas? C'est très très dur, ouais. Très très dur. Surtout que toi, il t'est arrivé, bon, on va dire, la folie du confinement. J'ouvre le jour du confinement. Le jour du confinement, tu vois, je m'en rappelle. Ouais. Donc c'est là où le sport t'aide. Quand tu as été sportif, ou dans des cas extrêmes, parce qu'il n'y a pas que le sport. Quand tu as été sollicité dans ta jeunesse, ça te, tu fais, ça te revient. L'instinct du combat, tu vois, de dire de bon, pas baisser, de là, se relever, de... là, on est dans une situation difficile, on va se battre. Et, je me rappelle, boxe, je venais, je te voyais, tu es dans les têtes, dans les comptes, à faire les livraisons. Sans aide, sans rien, ouais. c'est chaud. Mais même, c'est le choc de ne plus voir personne et tout. Moi, à cette époque-là... Ouais. Oui, parce que toi, tu aimes bien le contact avec les gens. Oui, il n'y avait plus personne. D'ailleurs, c'est pour ça que tous les gens dans la première vidéo, tu vois, je le connais, il est trop sympa, il est cool. Et alors, ils connaissent ta vie, quoi. Tu sais pas, tu vas leur raconter. Plaisir, ça fait plaisir. Le nombre de gens qui viennent dire, il fait du tennis aussi. Ben, le mec qui raconte tout, c'est presque s'ils n'ont pas les photos de ta maison. Tu sais, regarde son salon, il a une télé, écran géant, sur le côté, il a les photos de pizza. Marseille, c'est une rue, hein, tu le sais. Bon, c'est une rue, donc du peu que tu. Le tennis, bien sûr que j'aime le tennis. J'aime tous les sports. Camion à pizza, c'est marrant au niveau lien social. C'est un truc de fou. T'as vu, c'est que tu tombes sur des gens qui n'ont. Aucun lien, hein. Tu regardes, je fais devant la caméra, il n'y a rien. Et en fait, tu as vu, la dernière fois, je me pose, discute avec un gars, honnêtement. Est-ce qu'on a un atome crochu? Tu te rappelles ce gars-là improbable? Ce Marseille, les quartiers nord, on commence à discuter. En fait, tu t'aperçois qu'il y a les mêmes valeurs que lui. Le mec, il a les mêmes trucs que toi. Les histoires. On refait le monde en mangeant une pizza, on en mange une, on en mange deux. Après, tu le sers la paluche, tu t'en vas. C'est fort le camion à pizza. C'est un lien. Social de dingue, les commerces. Mais le commerce, mais le camion, c'est encore pire. Pourquoi? Tu es au milieu de la rue. Et tu t'en aperçois que tu es le seul à faire ça ou pas? Au camion à pizza. De parler avec les gens. De parler comme ça avec les gens, d'avoir le contact. Non, moi c'est naturel. Donc. Mais moi, je te le dis. Parce que ça m'arrive de manger des pizzas. Par exemple, on va pas citer de nom. De temps en temps, il y en a un qui te remplace. Ouais. Quand je vois, j'y vais jamais. Je sais même pas si sa pizza est bonne ou pas, parce que le mec, il tire une tronche. Que toi, tu es toujours souriant. C'est un truc qui m'a toujours impressionné, c'est quand il fait 2 degrés, tu es dehors, il y a le Mistral, qui était toujours en short, en t-shirt, hein. Mais ça ne change pas. Et en été, tu crèves de chaud, tu es en short, en t-shirt. Et tu as toujours le sourire. Bête. Je me dis que j'ai de la chance. C'est quoi la recette? La recette? Pour avoir le sourire comme ça. La recette, c'est, je vais te la dire, je la dis souvent, parce qu'il y a des clients qui me disent putain, vous n'êtes pas fatigué, vous avez le restaurant, on vous voit, vous êtes là-bas. Moi, je leur réponds tac au tac. Je leur dis, vous rendez compte qu'il y a des gens qui rêvent d'avoir un camion de pizza et l'ont pas. Ouais. Et peut-être qu'ils l'auront jamais. Il y a des gens qui rêvent d'avoir un restaurant et peut-être qu'ils l'auront jamais. J'ai dit, moi, j'ai les deux. Ouais. J'ai dit, quand je pense à ça. Tu avais trois. Tu as aussi. Ouais, le kiosque que j'arrive pas à ouvrir, mais les crêpes, tout ça, mais je me dis ça. Ouais. Je me dis, il y a des gens, petit les pauvres. Petit, hein. Ouais. Il y a des gens, les pauvres, ils aimeraient et ils peuvent pas parce qu'ils n'ont pas rencontré les bonnes personnes. Ils savent pas faire. Ils n'ont pas de gens autour d'eux qui leur donnent la force. Parce que moi, j'ai fait ça, mais c'est grâce aussi à des gens qui sont autour de moi. Ouais. Grâce à mes employés, grâce aux gens que j'ai rencontrés. C'est une chance. Ouais. Tu vois, j'aurais pas rencontré. Je passais à une rue près, je ne rencontrais jamais Jeanine. Ouais. Tu vois, je prenais l'autre chemin, je prenais rue Fauchier, rue de République.
Je prenais rue Fauchier, rue je sais plus comment elle s'appelle, je la rencontrais jamais. Ça tient à rien. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis j'ai la chance. C'est pas pour dire j'ai. C'est je me dis il y a des gens et ça, ça m'enlève la fatigue, tu vois. Ouais. Je me dis oh mec, tu n'as pas le droit de te plaindre. Ah, c'est une belle philosophie. Après, de vie. Bien sûr que je suis fatigué et tout. Ah, les gens, mais qui n'est pas fatigué? Je t'assure, Bob, je connais des gens, ils font rien, ils sont fatigués. Ouais. Non, non, mais tiens, c'est clair que tu en vois. Hein. Ouais. Ah, mais moi, dans la rue, je vois de tout. Et puis la chaleur avec le four, ça, c'est fatigué. Ouais, bien sûr, c'est dur. Fatigué. Il faut être entraîné. Il faut vouloir et être entraîné. Mais comment on fait? Oui. Quand tu passes, que tu reviens de la plage avec tes enfants, Bob, tu n'as pas envie de manger un bon bout de pizza? Bien sûr. Et si je ne suis pas là, comment tu le manges? Comment on fait? Donc, la chaleur, bien sûr, mais ça fait partie des aléas du métier. Il y a un jour où tu fermes le resto? 7 sur 7. 7 sur 7. 7 sur 7. Et un plat du jour récurrent à chaque fois, non? Si ouais, la semaine, changé, la, semaine, la semaine. La semaine. Le plat de la semaine, ouais. Après, comme je te dis, j'ai la chance. Tu vois ce que j'apprécie? Tu m'arrêtes si je mets des bêtises. Hein. Vendredi, poisson. Vendredi, poisson. Ouais. Vendredi, aïole. Vendredi, c'est tout. Si je l'ai retenu, ça. Et mercredi, pied paquet, si je n'ai pas les bêtises. Mercredi... Ça non, oui, pied paquet. Là, en ce moment, on a changé de chef. D'accord. Donc, on est un peu. Tu veux une recette de pied paquet un peu? Les pieds paquets et les alouettes sans tête, c'est une technique. Que pas tout c'est le monde. Que tu as le meilleur... Allez, c'est le moment où je me vante un peu quand même. Ouais, je c'est sais qui que celui qui fait les meilleurs pieds paquets? Non, les meilleurs pieds paquets de Marseille, c'est moi. C'est imbattable. Ouais, imbattable. Je sais, c'est je ma sais passion, que le pied paquet. Tu aimes ça ou pas trop, toi? Les pieds paquets, non. Non, tu n'aimes pas. Non. Les abats, tout ça, j'aime pas. Tu n'aimes pas? Même chez nous, sur la cuisine musulmane, ouais. C'est-à-dire, j'aime pas. T'aimes pas? Tout ce qui est tête, langue, tout ça, j'adhère pas. Ouais. Moi, je te ferai pas goûter une tête de veau alors. Moi, c'est la viande. Mais la tête de veau, je suis sûr que je te la fais manger. Tu le sais pas. Hey, en fait. Écoute-moi. Mais tu sais que ça ressemble à un rôti, c'est un boudin. Ouais, mais tu vois les yeux et tout, laisse tomber. Non, tu vois pas les yeux dans la tête de veau. Moi, j'arrive pas. Non, c'est pas comme la tête de mouton cuite au barbecue. Attends, la tête de veau, c'est un boudin en fait. Tu coupes une tranche. Ouais, mais rien que de savoir, tête, le mot tête. Faut pas te le dire en fait. Ouais. Les pieds paquets, je voulais, et je veux toujours, d'ailleurs on va le refaire là bientôt, la cuisine marseillaise. Je veux faire une cuisine marseillaise qui se perd, et comme je suis un passionné de Marseille comme toi, j'essaye de vendre cette cuisine-là et de la faire découvrir aux touristes ou aux Marseillais de nouvelle génération. Tu vois, les nouveaux palais, tout ça, ça me plaît de promouvoir. On a la chance d'avoir une ville exceptionnelle. Combien de temps il faut pour apprendre à faire les pizzas? Alors ça, c'est une grande question, parce que malheureusement, je vois des gens qui font des pizzas, les pauvres, ce n'est pas une critique. Comme je t'ai dit, ils n'ont pas la chance de savoir. Oh, c'est personne, il faut critiquer. Non, non, franchement, non. Non. Il y a des gens qui font mal leur boulot, il y a des choses que je fais mal, et il y a une façon de le dire, j'essaye de le dire le mieux, je n'ai pas les mots. Mais pour faire une bonne pizza, pour revenir à ta question, il faut rester, d'après moi, il faut 4-5 ans. Ah, quand même. Ancien intéressant. Oui. Ancien intéressant à fond, c'est-à-dire en étant passionné. 4-5 ans. Voir faire 2-3 patrons, 2-3 fours, travailler avec plusieurs techniques, parce que maintenant, il y a des fours de toutes sortes. Hein, à bois, gaz, électrique. Ouais. Et pour être bon pizzaiolo. Tu as une grosse différence quand tu travailles avec un four à gaz, un four à bois? Non, c'est des conneries ça. Un bon pizzaiolo. Le goût du fumé, du bois, c'est tout. Oui, mis à part ça, ouais. Ouais la pizza au feu de bois, elle va. Si on parle avec quelqu'un qui sait travailler, on parle d'un autre niveau. D'accord. Au niveau du palais, finition, et surtout quand tu la gardes. Elle a beaucoup plus d'eau. Elle est beaucoup moins déshydratée. D'accord. Donc, si tu la manges le lendemain ou que tu discutes 2 heures avec quelqu'un avant de manger, tu vas avoir une. Elle est plus digeste. D'accord. Tu vois. Le four à gaz et le four électrique, même si tu as une Rolls Royce, il faut que vraiment tout s'enchaîne bien. Les températures de la pâte, de la marchandise. Ouais, je comprends. Parce que. Voilà. Et ensuite, le four napolitain, comme ça, quand on parle de 20 cm. De maçonnerie en sol, ce n'est pas comparable avec même un four hyper sophistiqué qui a une spire de 7 cm. Oui. Je t'ai pris large, 7 voire 10, qui monte et qui descend. Ouais, ça n'a rien à voir. C'est une inertie calorifique. Ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas le comparer. C'est-à-dire que là, même si le feu il est arrêté, tu peux balancer une pizza. C'est clair. Là, je peux te faire une dizaine de pizzas.
Ouais, tu travailles une fois. Tranquille. Tranquille. Ah, c'est passionnant. Non, ça n'a rien à voir. Mais, excuse-moi, Bob, tu ne peux pas dire un pizzaïol qui est au feu de bois qui va te faire forcément une meilleure pizza qu'un mec qui travaille à l'électrique et qui sait se servir du four. Sait se servir et qu'il a étudié. Par rapport à son produit, il va être peut-être un petit peu bloqué par rapport à moi, ouais, en liberté de qualité ou de. Hein, ça, c'est sûr. Mais il peut faire aussi bon que moi. Et toi, tu as choisi de faire une pâte qui est très moelleuse. On en plaisantait tout à l'heure, en goûtant le pain et tout. Ouais, toi, c'est ton kiff, toi. Parce que des fois, tu as des pizzaïolos, ils aiment avoir la pâte très, très. Oui, j'ai même des très clients qui l'aiment fine. Tu l'as fait quand tu l'as demandé? Je l'ai fait, ouais. Si j'ai pas beaucoup de monde, j'ai le laminoir pour ça. Ouais. Je peux, j'enlève un peu de pâte. Si on me le dit à l'avance, je boule avant. Mais je suis un fan. C'est pas ton style. Non, c'est pas mon truc. Surtout en ce moment. Ben moi, de toute façon, c'est ce que j'aime. Je crois, c'est cette croûte là, ce trottoir là. Mais à Marseille, elle est comme ça. À Marseille, ça. On est connu pour ça. Janine, oui. Les camions orange et blanc, oui, dont son fils est toujours. Je me rappelle de ça. Orange et blanc. Voilà. Tu m'avais dit, le camion à pizza à Marseille, on le reconnaît de loin, c'est orange et blanc. Orange et blanc. Te rappelles une fois, je t'avais dit, quand est-ce que tu repeins ton camion? Tu changes un peu les couleurs et tout, tu m'avais engueulé. Tu m'as dit à Marseille, c'est orange et blanc. Voilà. Alors l'orange, c'était la couleur préférée de Janine. D'accord. D'où le fameux orange. Mais elle a transmis ça à tout le monde. Il y avait deux de ses enfants, Luc et Garcia. Ouais. Luc Garcia et Philippe, qui est toujours qui est un monstre. Hein. Ouais. Le camion est orange et blanc. C'est marrant. C'est un truc de fou. Ouais, c'est un truc de fou. Et toute une génération, on parle de gens jusqu'à 70 ans aujourd'hui, qui sont là, qui baladent. On voit le camion, orange et blanc. Ils savent que c'est la pâte. Ouais, la pâte Janine, alvéolée. Ouais, et tu, au niveau des farines, il y a la petite qui pleure, c'est l'ambiance, ça me plaît. C'est l'ambiance, ouais, les gamins qui dorment à côté aussi. Ouais. Trop bien. Ils sont en train de dormir, ils ont bien mangé, ils font la sieste pendant qu'on discute. Ça a été, monsieur. Parfait. Ah, bien. Merci. Ah, c'est gentil. Elle a besoin de se reposer, la pitchoune. Vous pouvez rester encore un peu, là. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez, vous pouvez embarquer les miens. Hein. Vous pouvez embarquer les miens. Non. Oh. Même si elle veut dormir un peu, vous la mettez là. Ouais. Et la farine. Parce que je me rappelle, on a discuté à la fois. Je me rappelle un jour, il y a ton collègue qui tient le camion. Je te vois arriver en courant avec ton bac de pâte là, qui est gonflé. Tu nous montres, tu fais « Regarde ma nouvelle farine du Canada, tu vas me goûter ça !» Et tu as regardé, la fille possédée. Tu racontes cette histoire de farine un peu. Alors la farine, ça a fait une évolution de dingue. La farine, aujourd'hui, le pizzaiolo qui veut travailler en pensant qu'à sa marge, il va travailler avec de la chip 55 ou de la chip 0 à 0,70 centimes. C'est celle avec lesquelles on fait les gâteaux à la maison. Voilà, et encore. Tu peux expliquer ce que c'est le type pour que les gens y sachent un peu, parce alors, les gens, moi, je travaille avec la chip 0, ouais, italienne, okay, de la marque Manitoba. Manitoba, c'est une colline qui a, tout le monde connaît au Canada, qui produit un blé unique. D'accord. Je t'assure, c'est le top. Moi, je la pratique, c'est une merveille. D'accord. Pour moi. Qui pétrit en deux fois, qui mélange énormément la pâte avec très peu de levure. Et tu utilises la levure, pas de la levure ou du levain? Tu fais ton levain ou pas? Ou tu non, je ne fais pas de levain, non, je ne la fais pas à la main, non, tout ça. Mais la farine, c'est très important, tout est important. Mais le plus important, c'est de pétrir, de laisser la pâte se mélanger et absorber l'eau, la farine absorber l'eau et vice-versa. Combien de temps de repos tu... Moi, je laisse 24 heures. 24 heures. Je pétris le soir pour le lendemain. Le lendemain et encore. Ça dépend. Je pétris le matin pour le lendemain. D'accord. On va dire. Et le soir pour le soir. 24 heures. Et pourquoi tu n'utilises pas de levain? Parce que je ne sais pas. Tu ne sais pas faire? Non, on ne m'a jamais montré ça. J'ai jamais été en Italie. Ouais. Je regarde beaucoup d'émissions sur l'Italie parce que pour moi, c'est la mecque de la pizza. Ouais. Mais on a la chance d'avoir des émissions de folie maintenant. Oui. Qui te montrent tout avec Netflix, tout ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, tu te régales. Alors tu peux ne pas faire comme eux, mais tu peux au moins essayer. Il faut essayer. S'inspirer. Mais je suis sûr que tu vas y venir là. C'est à tutiller là, tu vas essayer. J'ai remarqué que tu aimais bien essayer des trucs. Ouais, on essaye quand je peux parce que je me répète, hein, on fait beaucoup d'heures. Et des oui. fois, tu es fatigué. Des fois, tu es fatigué. C'est dur hein, quand on est fatigué. Il y a des problèmes humains et qui te bouffent.
qui te bouffent, qui te font perdre beaucoup de temps et ça t'enlève la concentration. Ouais. Parce que quand tu veux passer d'un cap, il faut être concentré sur ce que tu fais. Et des fois tu es déconcentré par des problèmes qui n'ont rien à voir avec la bouffe en fait. Je peux te poser une question, mais c'est peut-être pas, je ne tiens pas trop à répondre à ce genre de questions. Selon toi, c'est qui fait la meilleure pizza à Marseille? Tu n'as pas le droit de répondre à toi. C'est dur. La meilleure pizza à Marseille. Attends, je te donne des noms, tu me dis. Est-ce que tu en penses ou pas, ou ça t'embête? On parle restaurant ou camion? Non, les deux. Attention. Ah, camion. C'est complètement différent. Ah, alors camion, selon toi, camion, c'est qui? Camion, il n'y a pas de discussion, c'est Philippe. Les gens vont dire parce que c'est mon ami, ouais. Mais moi je les invite à aller là-bas. Philippe, c'est qui? Dis-moi. Philippe, c'est le fils de Janine. C'est le fils de Janine. Et meilleur que toi. Ouais, il est 10 fois meilleur. Où est-ce qu'on peut le trouver? À Saint-Tron. Ça fait un peu le... À Saint-Tron. À quel endroit? C'est lui qui m'a donné mes deux emplacements ici. Donc c'est un monstre. Retiens-toi bien. Ouais. 50 ans de camion bientôt. Ouf. Ah ouais, c'est chaud. C'est bon? Ouais. C'est déjà ça. C'est une statistique. Quel style de pizza pareil que toi? Napolitaine, ouais. Napolitaine, ouais. Marseillaise, c'est-à-dire avec une touche. Ouais. Nous, on farine un peu plus, on hydrate beaucoup moins. Mais ça y ressemble. D'accord. Mais c'est un monstre. Et on y fatigué. Ouais. Il est fatigué parce qu'il a la retraite. Et c'est normal. C'est normal. Et il faut qu'on explique qu'à Marseille, c'est une institution parce qu'à un moment, il y a une grosse vague d'Italiens qui sont venus. Ouais. Et ils ont amené avec eux leur spécialité. Et il faut rappeler que la pizza, c'est un plat de pauvre. Hein. Les gens l'oublient. C'est un plat de pauvre. Ouais, c'est un plat de pauvre. C'est un plat de porc, c'est un plat d'ouvrier que tu manges sur le pouce. C'est ça. Et d'où les camions à pizza. D'où les camions à pizza, mais on parle d'une autre époque. Ah oui, bien sûr. On parle d'une autre époque. Et en restaurant, selon toi? En restaurant? Ouais. Pour moi, c'est. Je l'ai goûté, je vais te dire de ce que j'ai goûté. Ouais. Sauveur? Non, non, j'ai jamais été chez Sauveur. Jamais été? Mais je connais la réputation. J'aime bien, moi. Je connais la réputation. Mais j'ai jamais été parce que la rue d'Aubagne, on ne peut pas se garer, nanani, nanana. C'est la merde. Ouais, j'en entendais parler quand j'étais jeune. D'ailleurs, j'ai dédicacé ici des trucs qui sont tombés. J'en entendais parler quand j'étais petit. Sauveur, Antoine à la rue du musée. La pizzeria, la fameuse. C'est celle qui est derrière la mairie. Tu la vois ou pas? Ça, c'est Étienne. Oui, Étienne. C'est monstrueux. Étienne, celui qui râle sur les gens. Et qui, ouais, mais c'est monstrueux. Moi, je l'ai connu jeune. Ouais. Parce c'est que l'ambiance. J'allais beaucoup au panier. Il y a son fils Pascal, là, qui le tient bien. C'est la chance d'avoir ça. Copa et Paul, tu connais? Qui? Copa et Paul. Non. C'est un restaurant qui fait la cuisine marseillaise, qui est sur la place Tiar. Estienne d'or maintenant. Moi, je dis toujours Piastia. Tiar. Ouais. Il fait les pizzas par contre très fines. C'est-à-dire, là, ils sont c'est tout bien. À l'opposé. Il faut de tout. Oui. Il faut de tout. Au feu de bois? Oui. Voilà. Ouais. Après, il y a des pizzerias. Moi, la meilleure que j'ai mangée. Tu les aimerais bien. Tu sais quoi? Ça rapproche beaucoup de ce que tu fais. Il y a la pizza, il y a les pieds paquets, les supions. Ah, c'est bien ça. C'est, tu vois, tu es vraiment. C'est ambiance marseillaise. Copa Paul, il existe toujours. Copa et Paul, à 35 ans qu'ils sont. Ah ouais, très tu connu, vois, ça, c'est des dates. C'est des adresses. Je t'amène un jour. Ouais, c'est des adresses. On va. Mais j'ai c'est fini. Grand Oui, c'est grand. Ouais, c'est sur deux étages. Putain, tu vois. Bon, alors revenons à nos motos. Alors qui c'est le meilleur? Alors en camion, c'est indéniable. C'est. C'est Philippe. C'est Philippe. Ouais. Et en restaurant, pour moi, c'est à Villa Rocca. C'est où ça? Je connais pas. Villa Rocca, et à côté, c'est le Dominici. Je ne me rappelle plus du nom. Il est juste à côté, à côté de l'église, 8e, là, 9e. Moi, j'ai mangé une fois là-bas, je suis resté sur le coup. D'accord. Mais le fils, c'est le fils, le gars qui fait la pizza, c'est le fils qui a tenu ici, pareil. Il a tenu ici dans les années 80, et c'est le fils Mario, d'un grand restaurant qui était à la place Tiar, Mario, qui avait des pâtes. On m'en a parlé, des pâtes à l'encre de sèche. À l'encre de sèche. Et ce fils qui fait la pizza là-bas. Et ils ont cette technique napolitaine de père en fils. C'est pour ça qu'elle est bonne. Je suis resté sur le cul. Mais attention, je cite lui parce que j'y ai été. Ouais. Après, mais j'entends parler. Tu n'as pas goûté. Voilà. Mais quand je donne un critère, quand je donne une note, moi, ou que tu me poses des questions, je regarde plusieurs statistiques. Ouais, ouais. Parce que tu peux pas juger. Toi, tu as l'œil du professionnel aussi. Non, mais je regarde surtout des stats. Ouais. On n'est pas le meilleur comme ça parce que tu viens d'ouvrir un restaurant en 2 ans, 3 ans, et dans 3 ans, tu n'es plus là. Ouais. Oui, tu es bon, mais être bon, c'est quoi?
C'est être là depuis un moment. C'est un marathon. C'est un marathon, c'est pas... Oui, si tu... après tu es fort, tu es fort. Quand tu es là depuis 50 ans, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Si les gens y reviennent sur 50 ans, c'est qu'il se passe quelque chose. 50 ans, t'imagines ? C'est improbable. Il y en a qui ne tiennent pas 20 ans. Il y en a qui ne tiennent pas 2 ans. Jamais 2 ans, voilà. Parce que des pizzerias qui se sont formées à Naples en un stage de 6 mois, ouais. C'est très bien. Et après, qui ouvrent un restaurant et qui le revendent au bout de 5-10 ans. Ouais, ouais, c'est bien. C'est bien. Et très souvent, attention Bob, le patron n'est pas le pizzaïole. Eh oui. Comment on juge là ? Eh oui, c'est compliqué. Il faudrait prendre des statistiques avec des notes et déjà l'adresse. L'adresse, déjà tu commences par la noter si le patron fait la pizza. Ouais. S'il est au four. Donc je comprends ta réserve pour noter. Hein. Ah ben oui, complètement. Complètement. Tu sais qu'il y a moi, parce que je retiens plein de détails. Je me rappelle une fois, tu étais au camion à pizza avec un des minots là, que tu formais, et tu l'engueules. Et je me rappelle, le minot, il fait ses pizzas, et je lui dis, c'est bien, elle est bien ta pizza et tout. Et il est tout content, il fait le coq, tu lui dis, tu lui avais mis un revire en merde, mais c'était incroyable. Tu lui dis, oh, arrête de te vanter. Demain, je prends n'importe qui a repris de justice au beau maître, parce que aux mineurs. Je prends une dame dans la rue, je lui apprends à faire la pizza en 7 jours. Hein. Alors, maintenant, tu sais, tu débutes à faire la pizza. Maintenant, il faut que tu m'observes, que tu regardes ce que je fais, les détails, pour arriver à faire une pizza exceptionnelle. Oui, c'est clair que j'ai dû lui dire ça. Parce que des fois, les jeunes, ben, comme tout, et comme nous tous, ils se... Non, mais j'avais aimé la leçon, tu vois. Ah ouais, je l'avais retenu. Mais je le dis souvent. Je le dis souvent parce que les jeunes, ils pensent avoir appris. Mais malheureusement, si tu n'apprends pas la pizza ou n'importe quel métier, en plus, le camion, c'est complètement différent, tu vois. C'est pour ça que je t'ai dit, camion et restaurant, c'est très différent. Parce que le camion, c'est très dur. Parce qu'on peut t'aborder à toutes les minutes, toutes les secondes. Il y a la température. La température d'un four dans un camion n'est pas celle de la maçonnerie. Si tous ces paramètres, surtout qu'à Marseille, la température, elle peut descendre du jour au lendemain de 10 degrés. Et le secret, c'est la température. Les températures, c'est très important. Et oui, pour la levée de la pâte. Tout. Il faut que tu sois concentré. Ouais. Et pour être très fort, il faut être très régulier. Pour être très régulier, il faut comprendre. Pour comprendre, il faut du temps. Tu ne peux pas comme ça en 2 ans. Même si tu es... là, on ne parle pas du prodige qui lit un livre en une heure. Là. On parle de pizza, il faut parler aux gens, il faut encaisser, il faut parler à des ondes qui ne sont pas forcément positives dans la rue, à des... Le bruit, c'est sournois, le bruit. Mmh. Ça te tue. Moi, quelque chose que j'ai envie que les gens ils sachent, que j'ai toujours apprécié quand je viens à ton camion. Des fois, tu vois des gens, ils sont dans le mal. Et ils te disent, c'est combien la pizza et tout. Une fois, je leur dis, c'est bon, donne-moi ce que tu veux. Et tu leur offres un bout de pizza. Tout le temps. Ça, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours touché. Tout le temps. Ouais. Ça, tout le monde le sait. Hier, il y a un mec, il n'avait pas assez pour acheter les couches, il est venu ici. J'ai donné 2 euros. Mais c'est logique, tu peux pas ne pas donner à manger dehors. Tu vas me faire pleurer. Ah non, mais non, ne pleure pas, moi aussi je vais pleurer, c'est bon. Non, mais c'est pour ça que les gens ils viennent. Tu ne veux pas pleurer quand même. C'est trop grand, c'est trop grand et trop vieux pour pleurer. Il y a beaucoup de misère. Ouais. Mais. Bon, parlons du Il est strictement interdit de refuser à manger. Ouais. Après, il y a des mecs qui abusent. Il y a des gens qui abusent, ils viennent, tu vois, des fois j'ai des minots, ils sont habillés de la tête aux pieds avec une bière, tu vois, ou avec de l'alcool. Là, tu lui dis, mec, tu me prends pour un con, tu n'as pas de sous. Tu n'as pas de sous, mais tu t'es payé une bière. Mais je t'assure, je t'assure, même l'hiver, je donne. Tu imagines aller demander à manger à quelqu'un, c'est... C'est terrible. Moi, j'aurais pas pu, hein. C'est con, hein. Moi, j'ai été manger dans des grandes surfaces, toujours. J'ai été mangé dans des grandes surfaces. Vite un croissant, un truc, du chocolat, tu vois. Parce que bon, mais j'en avais envie, j'avais pas les moyens, tu vois.
Mais être dans la rue, le pire c'est quand quelqu'un vient te demander à manger qu'il est avec sa femme. Ou sa femme elle reste un peu plus loin, tu vois. Là, c'est. Il n'y a pas de honte, hein. Ouais. Moi je peux pas parce que c'est. Voilà, c'est parce que j'ai peur de déranger et tout. Mais il y a peut-être un peu de fierté. Mais il faut donner à manger. Je donne pas de sous, mais je donne à manger strictement interdit. Ah, Après c'est bien. l'abus, à l'abus j'en parle. Tu vois, avec le Ouais. jeune, si je vois qu'il prend confiance, parce qu'à Je me Marseille, rappelle une t'as des fois, petits malins, t'as des je me petits rappelle une malins. fois, il y en a un, tu lui avais dit, ça fait 4 jours, je te donne la pizza. Allez, s'il te Ouais, plaît, après voilà, fais un tu en as qui effort. abusent, tu les envoies Mais bouler. tu l'avais quand même donné à la fin. Tu lui as dit, c'est la dernière L'hiver fois. je donne, tu Tu avais dit, c'est la imagines. dernière fois, par contre. La prochaine fois, tu fais Voilà. un peu l'effort, quoi. Non, mais c'est beau, hein, Karim. Tu travailles, tu as tout, qu'est-ce qui nous manque? Après, voilà, bon, moi j'ai de la pizza sur la main. Après, tout le monde ne peut pas donner à manger. Les gens ne se baladent pas avec à manger. Tu ne peux pas donner des sous. La misère, il y en aura tout le temps, malheureusement. On peut parler du livre? Tu nous racontes un peu le Alors, livre? le Ah, livre le qui va livre. sortir. Ah, moi je suis trop fier de toi, j'aime jamais qu'on en Ouais, parle. Moi je veux que les gens en ils sachent. avril, alors on En en a parlé. fait, je veux qu'ils réalisent qu'en fait il y a un monstre, la pizza. Parce que là c'est là où ce bouquin, ça va. Enfin, je Ça te va laisse être en bien, parler. ça va me faire de la pub. Et ça va faire de la pub à Marseille. Parce que, en fait, c'est les Napolitains ont un problème. C'est la dame qui me l'a dit. C'est Alba Preciosa qui va sortir son 12e livre Si tu sur peux nous la. expliquer qui c'est? Alba Preciosa, c'est une dame qui a une école de cuisine à Paris et une école de cuisine à Naples. Elle est napolitaine et elle vit à Naples. Et sa spécialité, c'est? La pizza. Voilà. La pizza napolitaine. Elle connaît un peu le sujet. Elle connaît le sujet. Ouais. Elle a écrit de sacrés livres que je n'ai pas lus, que j'ai vus sur Internet parce que je me suis intéressé à elle. J'espère qu'elle va me mener tous les livres qu'elle m'a promis. Et elle a décidé de parler de Marseille dans son prochain livre qui va s'appeler Pizza Mania. Donc c'est un gros bouquin de 580 pages sur la Sur la pizza pizza. avec peut-être les 10 meilleurs pizzaïolos du monde qu'elle a choisi, elle. Et elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas sortir un livre sur la pizza, et ça c'est une fierté marseillaise, Sans me sans parler de parler de Marseille. Marseille. C'est beau ça. Pourquoi? Je l'ai appris avec elle, il n'y a jamais eu de camion à Naples. Il n'y a jamais eu D'accord. personne qui a monté un ambulant pizza à Naples. C'est vrai que quand on Est-ce y qu'ils sont pense, fiers? Je ne sais voilà. pas. Ou c'est la Quand ville on y peut-être? pense, un camion à pizza, c'est quand même. Tu prends un fourgon. Tu le dézingues Ouais. et tu lui mets des plans de travail, des Ouais, pas quelques frigidaires jours. et un four qui est fait, des fours à bois, c'est-à-dire le four il est en pierre, quoi. Tu mets un four en pierre à l'intérieur d'un camion et tu dis on va rouler avec ça. Ouais. C'est un truc Et de donc fou ça quand même. n'existe pas, Naples. Non. Et donc, Incroyable. à chaque fois qu'elle sort un bouquin ou un sujet sur la pizza, ils sont critiqués parce qu'ils ne parlent pas de Marseille. Ok. Et ça, c'est bien pour la ville. C'est bien pour la pizza marseillaise. Et puis, c'est bien pour les jeunes qui se mettent dans la pizza. Ça va les motiver. Et ils m'ont choisi à moi pour parler. Il y a moi et peut-être une ou deux autres personnes hein, avec qui elle a collé, mais elle m'a réservé 2 pages. C'est beau parce qu'elle est venue manger au restaurant. Elle est venue manger au Alors, camion elle a et. pensé quoi de la pizza? Alors, je vais te dire un truc. Elle est venue déjà, elle est venue un peu tard. Ok. Elle a mangé la pizza qu'au camion. Elle n'a pas mangé là, dommage. Parce qu'elle m'a cherché. D'accord. En fait, elle a été dans plusieurs camions de Marseille et beaucoup de camions lui parlaient de moi, de venir me voir. Donc, elle m'a cherché. Parce qu'elle ne connaît pas Marseille comme. Mais oui. Et elle m'a trouvé ici, c'était un peu tard, dommage. J'aurais fait goûter la pizza, elle aurait pris une claque. Mais. Mais elle a goûté au camion parce que Mais j'ai. elle doit revenir. Elle va Elle doit revenir, bien revenir. sûr, pour la promo du livre. Je l'espère. Ah. Mais on a passé plusieurs heures au téléphone pour m'interviewer, pour me poser des questions. Donc là, on a parlé beaucoup technique, pizza. Elle a apprécié. Et j'ai apprécié qu'elle apprécie parce que c'est quand même une dame qui a des connaissances culinaires que je Ouais. n'ai pas. Tu vois? Et les termes. Donc, Elle a les alors je termes. suis pas d'accord que tu crois ne pas avoir, mais en Oui. fait, Mais ça fait elle a les. 40 minutes quand même qu'on parle. Tu les as les connaissances. Oui, mais je ne sais pas les expliquer, je n'ai pas fait d'école, je n'ai pas les termes sur certains, ou les phrases. Elle sait de quoi elle parle, quand elle Ouais. parle de température, d'ingrédients, que moi, j'ai pas, parce que je gère plusieurs choses à la fois, et surtout je gère le physique, parce que c'est un métier physique. Toi, tu es dans l'adage, moi, il y a un proverbe maghrébin que j'adore concernant la cuisine, qui dit, tu sais,
quand je fais des live cuisine, des fois les gens me disent combien de temps tu fais cuire ça, combien de temps tu mets ça, combien tu fais. Le meilleur thermostat, la meilleure balance, c'est toi. Et il y a ce proverbe maghrébin moi, qui m'avait marqué. Je regardais une émission de cuisine, je disais, Karim, tu vas voir comment ça va te parler. La dame se retourne vers le journaliste et lui fait l'œil est ta balance. Et c'est ouais. Pas beau comme, ouais, comme c'est ça. C'est vrai. Et toi, l'œil est ta balance. Ouais, fait. Voilà, ouais. Après, il y a des. Tu es dans le ressenti, le toucher, tu vois. Oui, et puis je regarde les clients, je vois beaucoup ouais. Les clients. Quand ils mangent, je regarde les assiettes quand elles reviennent et tout. Surtout la pizza, parce que j'espère un jour ne faire que la pizza ici, ce qu'on a commencé à faire le soir. Ouais. C'est beau, c'est pour moi, c'est une victoire. Et oui, les gens ils viennent pour la pizza. Je l'ai fait doucement parce qu'à l'ouverture, j'ai eu le Covid. Et oui. Il y a eu le Covid, donc j'ai été perturbé dans mes plans. Tiens, rouleau compresseur, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Et puis Bob, c'est important aussi de le dire, on ne réussit pas tout seul. Il y a eu gens, je ne suis pas arrivé là tout seul. Ouais. Il y a des, comme les jeunes que je forme, qui m'aident, j'ai les employés. Donc bon ou mauvais, mais ils ont été là. L'accueil est fantastique. Mes clients, j'ai la chance d'avoir une serveuse hors pair, Rosa. J'ai Jaja. Faut le dire. Janine, hein. C'est important de le dire aux gens quand ils viennent chez toi. On est bien accueillis. J'ai c'est surtout la maison. Ma chérie qui m'a Nathalie. Oui. Pour ça que ça s'appelle NJK. Nathalie, Janine et Karim. Parce que Nathalie, on la voit pas, mais c'est grâce à elle que j'arrive à surpasser tout ce qui est gestion, ouais. Papier, quand on sait que le pays c'est un pays quand même de papier, ouais. Et on ne fait pas qu'avec la pizza, il n'y a pas que la pizza. C'est donc c'est important que les gens qui vont regarder ton c'est le plus épuisant, non? Oui, quand tu as des mauvaises. L'administratif, c'est pour un mec comme moi, il y en a des mecs comme moi dans la maçonnerie, dans plein de métiers, ils ont la chance d'avoir un cerveau. Je vais être honnête avec toi, je t'en ai déjà parlé que j'ai eu un restaurant, c'est ce qui m'a tué. Moi, j'en pouvais plus. Voilà. Ah ouais, ouais, j'étais en train de te justifier, papier droit. Oh, bon. Moi, je veux faire manger, quoi. Moi, tu me mets devant un four, je fais 24 heures. Mais ça ne peut pas marcher qu'avec ça. Ça ne peut pas marcher qu'avec ça. Bon, on a fait le tour. Attends, les gens, ils savent pas que tu es marrant aussi. Il raconte des blagues, bien sûr, le film. Il n'y a plus le point rouge. Et pourtant, ça tourne, t'inquiète pas. Il n'y a plus l'éclairage, mais... c'est parce que je vois, je te le dis. J'adore. Pour finir l'interview, tu racontes la blague du chétan. Je te rappelle pas celle-là. Ah, la blague du diable. Ouais, elle est énorme, celle-là. Celle-là, elle est goldée. Tu veux que je la raconte là? Ouais. Ouais, j'étais... Alors j'étais à un battle de danse au Pen Mirabeau chez mon ami Naïm qui veut organiser des battles là-bas. Là. Et j'étais en galère, putain. Je faisais la danse, mais la danse, tu sais que c'est dur. Alors attends, sur TikTok, il faut pas les mots-clés, hein, parce que c'est qu'il y a un ou deux mots-clés. Alors attends, tu sais ce que c'est le mot-clé, hein? Non. On reste poli et courtois. Oui, tu dis les choses avec des mots soutenus. Hein. Le chétan à la maison, là, c'est ça? Oui. Ah ouais, d'accord. Donc, tu veux que je la raconte? Je la raconte. Hein. Ah ben, j'y raconte, on mettra des bips, on s'en fout. Et j'avais invité un danseur de Paris qui était là et il nous faisait la morale et tout. Et il nous parlait de religion. Et puis moi, j'étais... Et il emboucanait un peu les jeunes, tout ça. Bonjour. Ouais, mets-la un peu dessus et en bas. Merci. T'es le bois, tu vois. Ouais. Musculation. Et je... Donc, il me parle et moi, je pense à mon loyer, ça, tu sais. J'ai 30 ans, tu vois, Et il me parle du diable et d'un coup, il dit, quand tu es chez toi, le diable, si tu ne fais pas la religion, le diable, il est là. Et moi, je l'écoute. Et puis d'un coup, le diable, il est tellement à la maison, tu vois. Et puis, il me dit, et quand tu fais l'amour, pareil, il est là, il te regarde et tout. Et d'un coup, putain, j'ai dit, mais dis-moi, le diable. Tu peux pas m'aider à payer le loyer. Parce que tu es tout le temps chez toi. Je sors toujours des vannes comme ça. Au camion, tu l'envoies tout le temps. Ah, au camion, écoute-moi. Si je mettais une vidéo comme toi, j'irais dans la France en foutant les gens. Écoute-moi, tu fais un malheur. Ouais. Il se passe des trucs. Il se passe des choses. Mais je peux t'en raconter des trucs. T'imagines, ouais. 33 ans ici, l'hiver et tout, l'été. C'est quoi l'anecdote là, un truc improbable qui t'arrive au camion?
Un truc de fou, c'est un jour, je nettoie le camion, c'est l'hiver, donc il n'y a personne l'hiver dehors, hein. Les gens ils cavalent, et j'entends pleurer. Putain, j'entends pleurer, moi je nettoie, il n'y a plus personne, c'est 9h ou 10h, et un jour de semaine, je me tourne, je vois un japonais agenouillé, en train de pleurer. Et là je me dis, il pleurait, mais pleurait. Comment hein. Tu sais qu'il est japonais? Il est japonais parce qu'il ne sait pas parler français. Ouais, d'accord, et mais comment je l'ai su après, d'accord, attends. Ah, d'accord, d'accord, ok. Et puis, je me tourne, je le vois pleurer. Je dis, putain, qu'est-ce qu'il y a? Mais il pleure en sanglots. En fait, le mec, il s'est fait. C'est un touriste japonais de Nice. D'accord. Qui est venu promener à Marseille. Et il s'est fait massacrer. Ils lui ont tout pris là, là, dans les rues d'ici, là. Tu vois, où assez sombre. Il s'est fait laminer. Et ils lui ont tout pris, les cartes, le ci, le là. Quand il m'a vu, il s'est mis à genoux. Pour te dire qu'il n'y avait personne. C'est mis à genoux. Et moi, je me retourne, je vois le mec à genoux. Je sais pas si c'est du lard ou du cochon, tu comprends. Je me dis, mais tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je sors, bien sûr, je le console. Et les gens s'arrêtent en voiture. Tu vois, le peu de voitures qu'il y avait, parce qu'il y en a qui ne s'arrêtaient pas, il faisait froid. Et ils me racontent, et je le tiens le truc, les gens s'arrêtent, les plus courageux, parce qu'il faisait froid. Et d'un coup, j'apprends par une étudiante qui passe par là, parce qu'il arrive à dire deux mots en anglais, qu'il est de Nice, qu'il a tout perdu. Je suis resté jusqu'à 2h du matin à attendre sa famille qui vient me chercher. Incroyable. Voilà. Donc voilà Marseille, mais je peux t'en raconter. Tu vas faire une part de pizza, moi? Non, je ne me rappelle plus. C'est, mais des histoires comme ça, je t'en raconte. Je t'en raconte des gens...